Je voulais pas faire de la mode à la base. Je voulais vraiment faire des sculptures en cheveux et essayer des techniques de cheveux. Donc j'ai appelé l'exposition noire et j'ai décidé de faire cette exposition tout en noir avec ces sculptures de cheveux parce qu'en fait je voulais montrer les différentes qualités, les différentes techniques de cheveux par rapport à cette couleur. C'est là où on voit la plus de subtilité, le plus de technique. La famille de monstres tout au fond est fait en cheveux russes et sibériens. Je cherchais en premier pas forcément ma couleur ou mon design. C'est comme ça que je crée une forme de cheveux par rapport à la texture et l'origine du cheveu en fait. Pourquoi je suis parti dans la performance? C'est parce que je faisais mes défilés. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de vendre. J'ai vraiment envie de créer de l'émotion, comme je disais. Et en fait, là où j'ai vu que ça marchait, c'est quand j'utilisais des danseuses du Crazy Horse ou des célébrités, des performeurs. Et c'est là où j'ai vu que la danse et tout ce qui était performance, ça me plaisait vraiment, en fait. Je suis très inspiré quand même de la féminité et des femmes. Ma mère est une danseuse, une femme forte. Elle m'a toujours élevé avec des femmes comme Rosie DePalma, Nina Hagen, Peaches. Tu vois, c'est elle qui m'a montré le truc. Et ça m'a inspiré.